tes sujets à insomnie, que tu dois partir à 2h du mat, parce que t'aimes bien te laisser une bonne marche confortable. Bah, une bonne grosse marche quand même! Tu te couches à 18h, tu te réveilles à 20h. Et de 20h à 22h, 23h, tu ne regardes pas l'heure en te disant « Ah, si je regarde l'heure, je suppose que ça va me réveiller encore plus !» Bien évidemment! Eh ben j'ai pas beaucoup dormi! En plus, c'est pour aller bien au-delà de Montargis ce matin. Oh oui, on doit y être à 8h à côté d'Auxerre. À Saint-Florentin exactement, t'as ta petite route que je suppose être de merde. Alors, j'ai vu une autre route qui allait mieux. Et pour ça, j'ai regardé sur les photos satellites et j'ai regardé les traces de pneus dans les virages. J'ai dit tiens, 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 mais il y a des camions par là qui passent. Bref, Saint-Florentin. Ah, c'est parti mon kiki. Ouh. La pluie tombait à verse et les rumeurs disaient donc vrai. Il y a bien un monde au-delà de Montargis. Ce lieu était inconnu pour moi et plein de dangers. Cela me mit donc en tête une dure vérité. La terre n'était donc pas plate puisque la fin du monde ne se terminait pas à Montargis, mais bien au-delà. Alors tout ce que l'on disait sur la terre plate était faux. La terre est bel et bien ronde. Merci Montargis. Je viens de demander au client et j'ai le droit de filmer. Je vous emmène tout de suite. Mais viens! 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 Vous avez déjà parlé de l'open top. En fait, l'open top, si vous regardez bien ici, vous avez là, vous voyez, de quoi mettre des barres. Il y a des barres tout le long ici. Une fois que le conteneur est ouvert, même fermé, ils sont là, les barres. Hein. Et par-dessus, il y a la bâche qui vient recouvrir, qui est tendue. Et après, le chargement, le principe de l'open top, c'est de pouvoir charger par-dessus avec un palan quand il y a des pièces beaucoup trop longues pour pouvoir passer par l'arrière du conteneur. Moi, je crois que c'est mon conteneur préféré. Voilà la bâche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ils la rabattent toujours d'un côté, en général c'est ce qu'ils font, peu importe l'entreprise. Et en fait cette bâche, si vous regardez, vous avez des œillets ici qui viennent se mettre sur des contre-œillets, on va appeler ça comme ça, à l'extérieur. Je vais vous montrer là-haut. Et ici vous avez le câble. Alors ça c'est le câble qui permet de rentrer dans chaque œillet une fois que la bâche est refixée sur le contre-œillet. Ça fait tout le tour du conteneur, un peu comme un câble tir. Et une fois que les deux extrémités du câble sont reliées, on met un plomb qui permet d'assurer que le conteneur n'a pas été ouvert par l'arrière ou par la bâche jusqu'au destinataire. Moi je m'en mets au chaud, tout ça claque. Pendant une partie du week-end, et même une partie de la nuit, c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à dormir, pour dire à quel point je m'implique dans les vidéos, peut-être un peu trop parfois. Saint-Florentin, j'ai cherché un jeu de mots, quelque chose de rigolo, et rien, absolument rien ne m'est venu. Je me suis dit, c'est pas grave, il n'y aura pas de jeu de mots. Et en sortant de chez le client, je sens que ça va encore être épique. Je passe à côté du panneau de sortie de ce qui est collé à Saint-Florentin. Virginie. Forcément, un truc avec verge dedans, je ne pouvais pas passer à côté. Alors, je me suis renseigné pourquoi ça s'appelait Virginie. Alors, le Saint-Florentin, c'était pas un saint, hein, comme on dit. Hein. Ah, le petit coquin, il cachait bien son jeu parce que il avait une copine, copain, on n'a jamais su réellement, qui s'appelait Virginie à la base. Et cette Virginie avait servi trois pièces, une verge, un une Bon bah du coup, puisque Saint-Florentin était assez respecté quand même, hein, c'est un saint, c'est divin, hein, tu vois, on déconne pas avec ça. Pour lui rendre hommage, on a baptisé, juste à côté de Saint-Florentin, le village Virginie. Une belle histoire d'amour. Ah c'est beau. Allez, le Havre, c'est parti.
Eh ben, dis donc, mon gars, sacrée journée. Commencer à 2h du mat, il y en a un peu marre, là. Bon, alors, j'ai pas encore une nouvelle pour mon affréteur pour demain. Je sais pas ce que je fais. Ce qui est sûr, c'est que je rentre au Havre. Après, advienne que pourra, on ne sait point. Bon, allez, à demain. Les oiseaux me souhaitent bon courage. Mardi matin, l'école de la maison. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime pas partir de chez moi. J'ai l'impression que je radote, je dis tout le temps la même chose, mais c'est vrai. T'inquiète, mon pépère, je suis là. Il a fait un gros dodo, mais oui, sur mon camion, ça. Bon, bah, on va accrocher tout ça, et puis le Havre, c'est parti. Alors ce matin, on part au Havre, directement au terminal de l'Europe, pour aller poser la boîte que j'ai remplie hier à Saint-Florentin. Et en prenant la route, je vais passer par Maison Brûlée. Vous allez me dire, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Cela dit, l'autre jour, en passant par Maison Brûlée, il y avait un truc spotter qui m'a envoyé la vidéo un peu plus tard. Et qui sait, dans ses messages, s'est excusé de se dire... Ah, excuse-moi, j'ai pas un super matériel, mon téléphone est pas récent et tout. Parce que ce truc spotter, il s'appelle Mathieu, un gars qui a tout pour réussir dans la vie. Et j'ai eu envie de lui dire, écoute Mathieu, l'important c'est pas le matériel. C'est pas la taille qui compte. T'as compris? T'as compris? C'est pas la taille qui compte. C'est la passion et le contenu que tu fais. Il y a des gens qui ont du très bon matériel, qui font du contenu discutable, avec des titres putaclic. Enfin bref, autre débat. Le Havre, c'est parti. T'as des abonnés, mais c'est énorme. J'ai le cavalier qui arrive pour prendre mon conteneur. Oui, oui, waouh, oui, je mets la ceinture, voilà. Oh, donc tu vois, je suis concentré, je regarde et tout, puis d'un seul coup, j'entends « Monsieur Normandie !» Ah, je dis « Mais t'as fait peur !» On a les abonnés qu'on mérite, hein. Ils sont taquins, il y en a, hein. Bon, il est quand même reparti avec son petit sticker. Oh, la vache, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur, hein. Allez, c'est parti, on va appeler l'affréteur quand même. Boîte récupérée, c'est bien parce qu'il y a la caméra, parce qu'à chaque fois je l'oublie, ce gilet jaune de merde. C'est pour ça que je ratatine à chaque fois comme ça. J'aime pas, c'est dégueulasse, c'est moche. Sachons garder toute mesure. Je me dirige tout à l'heure vers les bureaux de TDF. Je vais pour aller aux toilettes et là, porte fermée. Ah, pourrais-je avoir la clé? Et là, le docker me répond nanana. Et désormais, c'est fermé. Ah, ah bon? Il y a un gars qui s'amusait à mettre plein de papiers dans les toilettes, ça a tout bouché. Alors si je chope. Yeah. Autant te dire que. Salaud. T'as partiras, ça de là. S'ils ont pas compris. Voilà, maintenant, direction à l'Aune, à côté de ce mur. J'ai rendez-vous demain matin à 8h30 chez un client chez qui j'ai été il n'y a pas si longtemps que ça. Et chez qui j'ai été très 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 bien reçu. Donc j'ai hâte d'y retourner. Allez, à l'Aune, c'est parti. Vous êtes encore là? Depuis le temps, ça fait longtemps que je me serais lassé de ce programme, moi. Bon, bah, je suis bien arrivé chez mon client, je suis content. Ah, maintenant, j'ai rien à faire. En arrivant chez le client, je vois de la lumière. C'est un client où tu peux te garer dans la cour. Mais par correction, j'ai quand même été voir les personnes qui étaient présentes. Et là, qu'est-ce que je vois? Le méchant dans Iron Man. Hein? Le même! Alors bon, je toque à la fenêtre, je vois, il regarde. Et là, je pense qu'il a vu frère de barbe. Bon, bah, du coup, il m'a dit oui, mais bien sûr, vous pouvez vous mettre là-bas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Faites comme chez vous, vous êtes le bienvenu. C'est un peu pour notre entreprise un honneur, un prestige de vous accueillir parmi nous, ouais. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre demain 7h30, parce que oui, j'ai rendez-vous à 8h30. Mais il a dit, à partir de 7h30, c'est bon. Et en plus, si le conteneur est en bon état, il y a une réutilisation derrière. Qu'est-ce que c'est que cette bonne journée? C'est l'esprit de Noël qui s'approche? Allez, à demain. 8h30, je suis chez mon client. Bon bah alors, j'ai déjà été prendre mon petit café. En même temps que j'ai été prendre mon café, j'ai croisé le directeur de l'entreprise. Toujours un petit peu d'appréhension à poser ma question. Excusez-moi, je fais des vidéos sur YouTube, voilà, client, est-ce que je peux filmer, etc. Il m'a dit oui, sans problème. Super gentil. Bah on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le conteneur.
Donc avec ces rouleaux, on fabrique tout ce qui va être mobilier pour jardin. Bon, j'ai vu des parasols, j'ai vu des transats, j'ai vu des petits coussins. Plein de petits trucs et même des petits coussins pour chiens. C'est pas mignon ça. Et tout ça c'est français, monsieur. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez derrière. Oh. Ouais, je sais, ouais, ça fait des jaloux. Et ferme ta gueule, ça. 2 heures plus tard. Impeccable. À peine 2 heures pour décharger, alors qu'il m'avait annoncé plus de 2 heures pour décharger. Cela dit, j'ai un petit peu aidé quand même. Alors, on est censé ne pas aider, nous, routiers, au niveau du déchargement. Mais les gars pouvaient compter sur moi. J'étais là à leur côté, je leur disais, allez les gars, on y va. Allez, on est des couillus. Résultat, ils ont gagné au moins 20 minutes. Parce que faut pas voir juste que c'est des clients. C'est aussi des humains. Allez, sur ce, mon conteneur est propre, étanche, sans odeur. Et là, on va faire une réutilisation chez un client chez qui j'ai été il y a très longtemps. Des boîtes de conserve avec des légumes à l'intérieur. J'espère qu'ils sont dociles. C'est nul. Rapport à la marque client. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Humour. Terriblement difficile plus tard. 16h40, terminé, enfin, chez le client, enfin, pour ce qui est du chargement. Ça serait trop beau. Eh ben, nom de Dieu. J'ai pas paniqué, mais je me suis dit, c'est le fameux merde. Là où on charge pour les petits containers, en 20 pieds, c'est un quai qui est de travers, enfin bon. Là, il va s'y mettre facilement, hein. c'est pas ça le problème du tout. Le problème, c'est les fameux sabots automatiques qui se lèvent une fois que ton camion est bien arrêté. Et des fois, ils se bloquent, ces sabots. Là, c'était le cas, je pouvais ni reculer, ni rien faire. Donc, j'ai dû secouer un peu, jouer avec les suspensions pour le faire baisser. Oh, technologie. Ah, ça veut faire bien, mais bon. Rien ne vaut les bons vieux sabots que l'on met à la main. Toutefois, je leur pardonne cette petite effronterie, parce qu'une fois que le chargement était terminé, le gars est venu me voir et il m'a dit « Ah, j'aime beaucoup ton tracteur. » J'ai fait « Oh, ouais, bon, tu sais, maintenant qu'on me le dit, ça me fait plus rien. » C'est moi, super connard. Parce que je l'entends tellement régulièrement, mais tu sais, bon, on n'a pas ça comme ça. Hein. C'est beaucoup d'investissement personnel, du temps, du travail, en admiration forcément devant l'engin. Il me regarde et il dit « Ah ouais, ouais, j'imagine. » Mais bon, je lui dis « Tu sais... Rien n'est impossible à personne, c'est à la portée de tout le monde. Bon allez, j'arrête mes conneries et je vais aller faire les papiers et je vous reprends juste après. Super, ça recommence. Hein. Je sais pas si c'est l'entreprise qui est comme ça, mais je commence à avoir des doutes. J'ai la réceptionniste. Attendez, je tape le code. C'était pas ça. C'est ça. La réceptionniste qui vient pour mettre le plomb et prendre des photos de l'arrière du camion. Toi, l'arrière du camion, qu'est-ce qu'elle me dit? Eh, vous avez un beau camion, monsieur? Tu crois pas que j'ai compris ton petit manège, là? Je suis pris, moi, madame, hein? Et quand bien même? On me prend pour un objet de désir? Oh non, non! Loin de là, je ne suis pas ce genre de routier. Moi, je suis le genre de routier qui va rentrer au Havre et appeler son affréteur et rester droit dans les lignes. Merde! Allez, le Havre, c'est parti! Et quelle gourde immonde je fais! La gourdasse! Mathieu la gourdasse! La gourdasse normande! Demain, il y a grève au Havre. Mon affréteur m'a dit de remonter chez moi ce soir. Donc ça arrange bien mes affaires quelque part. Bon, pas du tout au niveau salaire. Mais je vais pouvoir continuer le montage. Peut-être même avoir du temps pour commencer à ranger les 2 stères de bois qu'on m'a livrés. Parce qu'il y en a 6 autres qui arrivent ce week-end. Et ce week-end, c'est le week-end où je dors pas chez moi. Théoriquement. Alors autant vous dire que ce temps, et même le temps en général, est totalement précieux à mes yeux. Bon bah du coup, la maison, c'est parti. Allez hop. Ah bah oui, forcément Mathieu, ça c'est intelligent ça. Ce soir c'est retour à la maison. Retour à la maison pourquoi? Bah parce qu'en fait comme il y a grève au port du Havre et que j'avais pas assez d'heures pour rentrer au Havre ce soir, bah mon conteneur plein, j'aurais pu le rentrer nulle part. Du coup, c'est retour à la maison et demain pas de Havre puisque j'ai un conteneur plein sur les bras. Du coup, retour au Havre seulement vendredi matin. Donc on va rester là et puis moi je vais faire un énorme dodo, une bonne ronflette. Allez, bonne nuit, à demain. Ah.
Vendredi matin, 7h, bonjour. J'avais lu il y a quelques temps, il y a des années même, dans une revue scientifique, que l'ennui était tout à fait profitable à la création. Or, hier, je me suis un peu fait chier quand même. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire un double Mathieu. Alors finalement, là, je vais aller au Havre. Va y avoir les répercussions de la grève d'hier, c'est-à-dire des gros bouchons. Je vais m'ennuyer, je vais avoir des supers idées, gagner un maximum d'abonnés et de blé. Ha ha ! Oh, je suis pressé ! Allez, le Havre ! Ouais, c'est parti. Ah, les lendemains de grève au Havre, c'est toujours un peu... Voilà, téléphone. Je disais donc, parce qu'entre deux avec l'appel, je viens de gratter quelques places pour que la ville. Chut, oh, attendez. Je disais que finalement, les lendemains de grève sur le port du Havre, quand il y avait les bouchons, il y avait certains avantages, notamment celui de croiser les abonnés. Je ne les ai pas comptés ce matin. C'était d'une ambiance, mais magique. Des coucous, des petits mots échangés, des coups de trompe, des appels de phare. Que de la bonne ambiance. Alors par contre, niveau bonne ambiance, je vais revenir sur un message que j'ai reçu. Que j'ai reçu cette nuit et que j'ai vu ce matin. Je vous le lis, je cache les noms, évidemment, comme d'habitude. Salut Monsieur Normandie, dis à ton copain qui respecte les routiers. Car là, il a poussé le bouchon un peu trop loin, c'est une grosse... Tu peux le dire dans ta prochaine vidéo, c'est juste un... Bon, je ne parle plus du tout à cette personne. C'est pas le premier message que je reçois de ce genre-là. Donc voilà, il m'a dit dans les messages plus loin d'en parler dans ma vidéo, donc je ne cite pas les noms. Malheureusement, les gens auront compris. Tout ce que je dis, pas de violence, le karma s'en chargera. Bon allez, sur ce, j'attends mon container, moi. Fait honneur à la réputation des routiers. Là. C'est même plutôt l'inverse. Hein. Oh la vache. Bon, non pas que je n'ai pas réussi ma manœuvre, c'est juste que je me disais, c'est bizarre, j'ai que 11 tonnes dans ce container. D'habitude, j'ai 28 tonnes. Et étrange, alors que je me range chez un client qui s'appelle Pierre et Parquet. D'habitude, je lui amène des pierres. Penses-tu que j'aurais pensé que j'allais amener du parquet? À aucun moment. Je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être des pierres plus légères ou une à moins. Et j'ai eu l'air très fin. Hein. Et... Désolé pour l'ensemble de la profession, là, sur ce coup-là. J'ai été lent. Bon, allez, le Havre, c'est parti. Petite vérification du container vide. Alors je comprends pas parce que c'est un dry, donc un truc sec, hein, c'est pas un truc avec une machinerie réfrigérée pour avoir un frigo. Et je vais à la Steff lundi. Alors, vérification du container, je vérifie s'il est propre, sec, sans odeur, étanche. Et ma petite vérification personnelle, c'est l'acoustique. L'acoustique du container est hyper important. Alors à chaque fois que je vérifie un container, et c'est vrai, je fais ces quelques vocalises. C'est le générique d'un jeu vidéo qui s'appelle Halo Reach. Et j'adore cette musique. Il faut savoir que les vocalises ont été faites sans aucun trucage. Hein. C'est entièrement naturel. En attendant, moi j'ai mon container, il est déjà 4h30. Et bah, retour à la maison. Ça fait tard pour un vendredi. Heureusement qu'il n'y a plus que mon vendredi à faire sur le montage de la vidéo. Tellement prévoyant. C'est ça aussi quand on est routier. L'anticipation. Allez, la maison, c'est parti.
Ça y est, enfin de retour à la maison. Après cette matinée passée à l'Atlantique, terminal de l'Atlantique pour ceux qui connaissent pas. Et ça fait du bien de pouvoir retrouver un endroit serein, calme, où même si tu attends, tu t'en fiches. C'est chez toi. Et... Ah... Alors là, on voit pas très bien parce qu'il se fait nuit, mais... Vous voyez là-bas, là, ce qui bouge là, dans le camion, là ? C'est Isera Nebulae. Il a déjà sa chaîne YouTube. Et il squatte chez moi le week-end. Enfin, du moins, le camion. Autant vous dire que je suis un petit peu déçu par son attitude. Parce que monsieur joue les grands, désormais, depuis qu'il est passé à la radio des camionneurs du cœur pour présenter la vidéo qu'il avait faite sur Lilian Slavski, dit fantastique, qui a écrit un magnifique livre, 38 tonnes de souvenirs en vrac. Alors oui, bon, ça joue les grands monsieur. Hein. Désormais, il m'a dit que j'arrive en premier, les poubelles sont au bout du chemin, je les ramène même pas. Ça se permet de faire des tranchées parce que ça manque de s'enliser en arrivant à la maison. Bon, ok, il a rebouché. Il a rebouché les trous. Mais quand même. Après, attention, hein, avec son air de capitaine ad hoc, je fais pas le Tintin. Hein. On n'est pas deux hommes isolés à la campagne dans une grande maison avec un petit chien. C'est pas du tout le genre. Hein. Voilà. Comment je termine cette vidéo ? Moi, c'est n'importe quoi. Bon, allez. Bonne semaine. Moi, je vais finir le montage. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. C'est déjà terminé? Bon, allez. Allez, je dis à ma communauté de s'abonner. Ah bah non, c'est déjà ma communauté, elle est déjà abonnée. Je suis con des fois.